Et voilà les amis, pour cette dernière vidéo de la route des crêtes, je pense que nous sommes, ça mérite d'être vérifié, je pense que nous sommes sur la falaise maritime la plus haute d'Europe, il me semble. Voilà, donc on devine la chaîne de la pointe de Cassis, des calanques de Cassis, et je vais essayer de vous zoomer les deux premières calanques. Que j'ai d'ailleurs fait en canoë l'année dernière, Sormiou et Pormiou, si je ne me trompe pas. Et il y a les deux autres derrière. Je vous le zoome. Désolé, je ne peux pas trop m'approcher, vous le savez, j'ai le vertige. Donc là, vous verrez bien les deux premières calanques. Là, on en voit une, on voit la pointe. Là, on voit la seconde au milieu de l'écran. La calanque d'en bas, elle est juste derrière. Voilà. Là, on devine la, on va dire, une des dernières parties de la route des crêtes. C'est la route que je viens de prendre. La petite XSR, elle est là. La vue sur les montagnes. Voilà, je me serais bien approché davantage, mais je peux vous garantir que c'est extrêmement haut. Il y a 300 mètres de hauteur là où on est. 300 mètres. Je crois que c'est le triple des falaises d'Étretat, je crois. Voilà, donc la chaîne de la baie de Cassis. Là, je regarde, oui, on voit deux calanques. La troisième, ce rocher, je connaissais le nom, mais j'ai oublié. Voilà, donc, quand vous regardez les bateaux, regardez là-bas, il y a un voilier. Je ne sais même pas si vous pourrez le deviner tellement qu'il est petit. Entre les deux barreaux. Je vais essayer de vous zoomer. Je ne sais pas si on le verra. Devant, il y a un bateau et derrière, il y a un voilier. Mais je peux vous garantir que c'est extrêmement haut. En tout cas, cette balade valait vraiment le coup, les amis. Ça vous fera 8 parties à regarder, je pense. Mais voilà, c'est pas très long. Ça valait le coup d'œil. Il fait super beau. Depuis le temps que je voulais venir. Voilà, je vous laisse encore profiter un peu du paysage. Et puis voilà les amis, ciao ciao.